Bonjour. Bah déjà pour préparer ta clé USB qui est complètement vierge, afin de créer des MIDI files, des playlists de MIDI files, bah tu prends un dossier sur ton PC où tu as sur ton disque dur où tu as toutes les MIDI files, tu le prends et tu viens le copier sur ta clé USB. Ça, c'est pour avoir toutes les informations de ton dossier MIDI file ou MP3 que tu aurais ou WAV, peu importe. Là, je te donne, je vais te faire voir. Il faut vraiment copier déjà ton dossier MIDI file sur la clé USB qui est vide. Et là, on va pouvoir travailler. Bien bonjour. Bah, maintenant, quand tu veux, une fois que tu as copié ton dossier de MIDI file sur ta clé USB qui était vierge, ou formaté comme tu le disais sur ton message précédent sur le site, donc il faut créer avec le BK une liste. Parce qu'il n'en a pas, il a juste les performances listes internes de l'appareil. Si on clique sur le petit bouton liste ici, donc on a musique assistance, on n'a pas de liste déjà pré-créée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va en créer une, puis on va la renommer pour que ça partir d'une performance liste vierge. Donc je reviens ici, je fais write, il va me marquer Gold Disco parce que c'était l'allumage, il est resté sur ce nom-là. Peu importe, je refais write ici, parce que je vais la renommer après, comme ça il va m'en créer une qui sera vierge, mais je vais la renommer, voilà. Là, si je refais liste, performance liste, si j'appuie deux fois, nous aurons bien musique assistante et le playlist vierge qu'on a créé. Donc celui-ci, je voudrais le renommer. J'appuie sur le patch, je viens sur renommer. Et là, je vais lui donner le nom série 01, là, comme tu voulais au départ. Donc là, si je tourne, ma petite monnaie value là. Oh merde, zut. Là, j'aurais pu série, puis là, je vais marquer série 01. Hop, en tournant avec toujours le value. Hop, voilà, série 01. Ah zut, ça arrive. Bon, c'est pas grave, il est déjà écrit, donc je vais l'effacer, comme ça je vais passer à côté. Voilà, hop, série, ensuite, série 0, 01. Voilà. Donc ici j'efface avec la touche ici. Puis je peux avancer là. J'efface. Bon, je veux pas que ça soit... je veux un espace entre les deux, ben, je rappuie ici, c'est ma maison. Voilà, série 01. Je fais write en touchant ici. Donc là, on a créé ta liste vide vierge 01. Bien entendu, si on va à l'intérieur, il y aura écrit Gold, c'est le fameux, on fait l'OAD ici. On aura bien Gold Disco, quoi, d'écrit 01, mais c'est parce qu'il était obligé d'écrire quelque chose. Hein, il ne peut pas faire une playlist complètement vierge. Hein, il lui faut une petite donnée. Mais ça, c'est pas grave, on pourra l'effacer ensuite. Maintenant, il faut que je remplisse cette série-là avec les noms de morceaux que tu disais au départ. Alors là, pour commencer à créer une playlist, je viens cliquer sur USB, ensuite, toc. Et là, je viens dans mon dossier. Comme j'ai un dossier MIDI file et My Performance, il vient de l'écrire hein, pour pouvoir voir. Donc, tu sélectionnes ton dossier MIDI file. Et là, tu tombes sur toutes les séquences que tu auras à l'intérieur. Donc, toi, ce qui t'intéresse au départ, je crois que c'était And I love you so. Donc tu cliques dessus, toc. Là il va, on peut l'écouter, on peut écouter un peu. Hein. C'est bien ça que tu voulais. Donc tu viens, tu fais write. Il va te demander bah, si c'est dans My Performance, si c'est bien ce nom-là que tu veux l'écrire. Tu peux tout réécrire hein, si tu veux pas de, hein, si tu veux pas les fameuses petites trucs, tu les vires. Hein. Toc, tu fais un petit espace, tu reviens là, toc, ça c'était Apollo View, puis tu regarderas hein, par rapport à ce que tu auras déjà. Le mieux c'est de bien les renommer sur dans tes fichiers de dossier MIDI file sur ton PC, ça ira beaucoup plus vite. Ensuite, toc, 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 voilà, puis si tu veux virer le vieux son, on peut virer quoi, je te fais voir, mais hop. Et là, je vais virer le tout.
Voilà, et là tu fais write. Donc ça sera ton premier morceau sur la liste. Maintenant, il faut que tu rajoutes, je sais plus, je vais regarder parce que je vais m'en rappeler en appuyant. Donc je reviens ici, là, dans mon dossier, j'appuie sur la clé USB, donc on appuie ici, on retombe dans le dossier. Puis toi, tu voulais, je sais plus ce que c'était, je vais regarder. Hop, que reste-t-il de nos amours, ici, voilà, qui était sur sur ta liste que tu m'avais demandé. Donc voilà, là tu le sélectionnes avec le push, là. Ici, on descend, bon, et puis tu viens sélectionner avec le push, à ce titre, tu l'écoutes si, pour voir si c'est bien ça, des fois que tu te serais trompé. Donc c'est bien ça. Tu fais write. Que reste-t-il de nos amours? C'est bien ça. Tu refais write pour le sélectionner dans ta liste. Voilà, il va être en. Il sera dans ta liste. Si on vient bien dans ta liste, tu as Gold Disco, tout ça. Ça c'est pas grave, on va le virer après. Que reste-t-il de nos amours? Et toi, tu voudrais, après, je ne sais plus ce que tu voulais d'autre. Et ainsi de suite, si tu veux rajouter d'autres morceaux, tu refais USB, tu reviens dans ton dossier MIDI-FY, et je ne sais plus ce que tu voulais derrière. Bon, hop, 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 hop. Bon, je sais pas, en disant que c'est The More and See. Tu cliques dessus pour le sélectionner, tu viens faire ça, toc. Write, c'est bien ce nom-là qui était écrit sur toi. Donc, allez. Il est bien là, si on clique dans la liste, il sera bien bon en quatrième position. Là, tu voulais 1, 2, 3. Il y a, sauf qu'il faut effacer le Gold Disco, parce que comme il a créé une playlist Market Sun, donc il faudra ressortir. On va ressortir. On va choisir ici. Donc là, comme il est sorti, attends, je vais ressortir d'ici. Je vais le blouser un petit peu pour pouvoir assister. Hop, je vais faire ça, load. On ressort, je reviens. Je fais voilà, edit. On vient faire edit dans le série 01. Et là, on a Gold Disco. Donc, si je clique dessus, je delete mauve ou save. Donc, moi, comme je veux l'effacer, je laisse sélectionner delete. Je rappuie sur le push ici, là. Toc. Voulez-vous effacer delete efface Gold Disco? Tu lui dis yes. Tu viens, tu tournes un petit peu là, sur s'il est ici. Donc on tourne ici pour sélectionner ici, puis tu fais yes, passe en inversion vidéo, tu fais yes, opération complète, comme ça il va virer de ta liste et tu auras en 1 I love you so one comme tu voulais, et ainsi de suite. Et voilà, après tu continues, hein, si tu veux rajouter des choses dans ta liste, tu reviens appuyer ici dans. Attends, excuse-moi. Save performance, parce que j'ai oublié de lui dire qu'il fallait sauvegarder la performance. Alors là, tu lui dis yes, et pour garder bien tout en ayant effacé gold, j'avais oublié de le faire. Voilà, donc je reviens ici. Si je veux rajouter après d'autres choses, tu fais load. Hein. Si tu veux rajouter autre chose, hein, tu recliques sur USB, et puis tu viens rajouter d'autres trucs hein, si, dans ta page. Donc là, si on écoute, ça sera un blues. Donc là, tu fais write. Hein. Tu lui dis bon que c'était bien ça, voilà. Et là, tu as ta playlist. Ensuite, par contre, si tu rajoutes un morceau comme ça et que tu voudrais changer l'ordre des, tu as rajouté dans ton répertoire, tu as modifié un peu l'ordre de ton répertoire. Donc là, je vais sortir. Je vais te faire voir ce qu'on peut faire aussi, qui est intéressant sur ce BK là. Voilà. Donc je vais venir ici. Et je vais faire Edit. J'ai pris le série 1. Et puis tu veux bah, ton répertoire, tu dis. Bah là aujourd'hui, j'ai changé l'ordre. C'est plus en 1 And Love You So ou Que reste-t-il de nos amants, bon, tu dis que ça doit être All Blues par exemple. Donc tu viens le sélectionner et puis là tu choisis Move et tu le déplaces. Donc ça voudra dire tu le remontes et il prendra la place numéro 1 dans. Tu recliques après sur le dial, hein, sur le push. Donc il prendra la place 0, 1. Tu peux changer après une fois que tu as fait des MIDI.
dans tes playlists ou toutes tes listes pour le MIDI-FI, mais si c'était MP3 ou WAV, ce serait la même chose. Tu peux faire la même chose. On peut revenir dessus et reclasser dans l'ordre ces morceaux. Donc une fois que tu as fait ça, il faut bien sortir parce que lui il va pas deviner, il faut confirmer ton truc. Tu sors et il te demande Save to Midi, voulez-vous réenregistrer cette nouvelle liste dedans? Tu tournes le bouton pour marquer Yes en inversion vidéo. Tu fais What, et voilà. Donc ça c'est pour créer une playlist. Et tu peux en faire après, tu prends le même principe qu'on a fait tout au début pour faire série 02, série 03. Mais je vais te donner toute une liste de séries déjà prêtes, de 1 à une trentaine de fichiers MyFerrand que tu pourras remplir. Alors ça sera aussi facile, beaucoup plus facile que ça, mais là tu connais le principe pour en écrire une. Et si tu en fais une cinquantaine, c'est un petit peu long, mais bon, là, faut travailler un petit peu, quoi, c'est normal, hein. Voilà. Je vais te faire voir un autre exemple, hein. Je te fais voir un autre exemple de travailler pour travailler. Bonne journée.